nous avons commencé par le Tadasana, ancrage du corps et de l'esprit. Simplement, nous allons faire des respirations abdominales, puis costales. Nous allons finir par relier les deux respirations. Les pieds écartés dans le bassin, bien évidemment le bassin n'est pas grand comme ça. Et resserrez, pas au maximum, et resserrez bien vos pieds. Et vos pieds peuvent être bien en dessous, en dessous de vos hanches. On va prendre une grande inspiration. Au moment de cette inspiration, nous allons souffler le ventre au maximum. Une couche au ventre. Et au moment de l'expiration, nous allons entrer le ventre vers l'intérieur. Vous pouvez aller expirer. Sur l'expiration, vous allez faire lancer une flamme de plus juste. Vous allez vous mettre vos mains à plat au niveau des côtes, d'accord, à l'arrière. Et on va faire pareil. On va gonfler la cage thoracique. Sentez que votre cage s'ouvre. Nous, on va s'ouvrir pareil. Dans la tête sortie des épaules. Cette respiration. Vous pouvez sentir votre cage s'ouvrir entre vos doigts. Comme tout à l'heure, on y va, on commence par la partie abdominale, on continue par la partie costale, on expire. Troisième.
tym. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Donc, nous allons faire la dynamisation de la journée en Utkatasana. Je le dis très mal, donc on comprend. Ça va être la chaise debout, les bras au-dessus de la tête. C'est beaucoup plus compréhensible pour moi. Je vais reculer un petit peu. Voilà, je reste debout. Toujours cette respiration, d'accord? La respiration, c'est quand même la base de tous les exercices que nous allons faire au niveau de tous les prochains jours. On va les bras. En inspirant. Et en expirant, nous allons pousser les fesses en arrière. On va faire un squat. Et évidemment, les genoux vers l'extérieur. On sort la tête. Et on inspire. Savoir si on peut presser le ventre. On va regarder la troisième respiration. Portez bien les épaules de la tête, respirez tout le haut, serrez le ventre. Regardez la nuque par prolongement de la colonne. Nous allons faire une deuxième fois. N'oubliez pas de sentir la tête des épaules. Ça va bien. La sangle abdominale. Et on est parti. On a inspiration. Et on peut se faire en arrière. N'oubliez pas de venir vers l'extérieur, la tête dans le prolongement du corps. Pour avoir le dos droit, on en respire toujours. On va pour la cinquième respiration. Troisième exercice. Nous allons faire le relâchement en Uttanasana. Donc pour moi, ce sera une réflexion avant. Je vous dis donc de plusieurs manières différentes, comme ça vous vous y retrouvez mieux. Nous allons lever les bras, d'accord. On va partir le bras en avant, on va enrouler la tête qui va rester entre les doigts et là nous allons descendre. On arrive. C'est toujours vertèbre par vertèbre. Et toujours en expirant, on en relâche la vie. Et vous allez faire une expression en avant. Et on respire. Laissez faire la pesanteur. D'accord, relâchez bien la nuque. On va être à la quatrième respiration. Et si vous touchez le sol, n'hésitez pas à frapper les avant-bras.
Par la tête va faire une deuxième et dernière fois. On se grandit, toujours la tête sortie des épaules, donc les épaules basses, d'accord? Hop là, on sort vraiment la tête des épaules et on repart. Hop là, les bras partent en avant, la tête reste entre les bras, on arrive au haut de la colonne. On descend, on commence à descendre, toujours en relâchant la nuque. On descend, si vous touchez le sol, vous avez le droit d'attraper les avant-bras et surtout arrêtez-vous là où vous pouvez. Ne faites pas des appuis comme ça, d'accord? Descendez, dès que vous pouvez plus, arrêtez de descendre. Et on respire. Chaque expiration va vous permettre d'aller plus loin. Vous allez fléchir le genou à plat. C'est un moment. On appuie sur les pas. Vous allez vous mettre en position quadrupédie, d'accord? La position quadrupédie, c'est la tête. Les genoux bien en dessous des hanches et les mains bien en dessous des épaules. Et le droit de regarder. Et là, tout simplement, vous allez basculer un pied en avant, d'accord? Vous avez le droit de prendre appui sur votre pied et vous allez laisser votre bassin partir vers l'avant, d'accord? Comme ça, vous ne ressentez pas l'étirement au niveau du psoas. Donc, le psoas, il est là, d'accord? C'est un muscle très profond. Si vous ne sentez pas un étirement, vous avez le droit de projeter le pied à l'arrière et de pousser votre talon vers l'arrière. Une autre, on respire. Et on va faire la troisième. Bassin vers l'avant à chaque replacer le pied s'il a besoin. Et soit vous laissez le pied poser au sol comme ça. Et si vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez projeter le pied et pousser le talon vers l'arrière. Là, vous respirez. On va le faire une deuxième fois de chaque côté. Après, je vous vois. Vous n'avez pas besoin de tourner. Quand je me tourne, vous pouvez montrer. Hop là. Et vers l'avant. J'avance tout le bassin vers l'avant. Toujours à chaque expiration, j'essaye d'aller plus loin. Je crochète le pied si je ne me sens pas l'étirement et je n'essaie pas à pousser mon talon vers l'avant. Toujours la tête sortie des épaules. Non, on respire. Thank you.
wydać. Maintenant, la lumière de mon fils, donc au niveau des cycles mentaux, je vais partir vers l'arrière. Et je pose ma tête au sol. Je monte mes deux genoux à la poitrine. Et là, je vais masser mes lombaires dans un sens. Je fais bien tourner mes genoux. J'ai ma main supérieure du côté de mes jambes. Là, j'ai ma main supérieure qui est posée devant ma poitrine. Et je pousse sur le sol
larmes doivent vous donner ça. On se relève en douceur. Je prends appui sur mes genoux. Je crochète mon pied au sol. Je pousse. Là, tout simplement, je vais me redresser. Hop là, tout doucement. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à suivre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.